C'est dommage, une heure, c'est dommage. شتي سي دغيا كيدوز الوقت ما تتحسيش به حتى تيدوز المهم حنا رجعنا تقطع اللايف اون فوا يتجمع بنادم عاوتاني و اللي سول شي شي كاستيون ما جاوبناش عاودوا ديروهم وي يا بلان دو كيستيون اوكيل اون با ريبوندو دونك بقاو لتحت مالوغوزمون سي اون با ريبوندو ا فو كيستيون فوز انفيت ا لي ريبوزي اون اي ديزولي بون سا سي لي زاليا انستغرام Et on veut encore vous parler d'autres produits. Mais si je vous bégage, je vais pas la batterie. Prendre son problème. On va en profiter pour charger en même temps. Alors, merci Raja. Gros bisous. La tête charbée. Oui, s'il te plaît. Alors, est-ce que c'est normal que mes cheveux gonflent beaucoup à la racine des solutions ? N'est-ce qu'il y a le volume ? N'est-ce qu'il y a le volume ? On tient mon British le volume. Merci. Santé. Cheers. Ah, ça fait rejouer ? Rejouer les questions. Oui, alors on va remonter. هكا هاد اللايف تاني ما غاديش نتعطلو بزاف وي ما نتعطلوش بزاف و بغيت نجاوبو عليهم دغيا باش هكا نقولو ليكم شنو كاين فوالا الوغ ليتشي اوكي سي بون لو جور دو لا كلاريفيكاسيون اسكو جو بو فير ان ماسك افون بلوتو ابري سي ابري حيت الشعر كينشف بزاف في لا كلاريفيكاسيون دونك ابري سي ميو J'ai essayé de brancher mon téléphone, mais non, en fait, non. Bref, alors. Après, c'est oui, après, mieux. C'est mieux. Il faut. Bon. Ouais. J'ai les cheveux blancs. Comment les camoufler en usant le nez? Avec quoi le mélanger afin d'éviter la couleur orange? Alors. Ouais, s'il y a beaucoup de cheveux blancs, il faut faire un henné en deux temps. Et un henné en deux temps, ça veut dire d'abord le henné marocain pendant une pause de deux heures. Donc, charles bien trassouli orange. Première étape. Aide la deuxième étape, utiliser l'un des hennés que je vends. Alors, comme je l'ai dit, j'ai trois couleurs. Bon, après, il y en a d'autres que je ramène sur commande. Le rouge, mais sinon, on dit bordeaux, châtain foncé et noir. Donc, ni que tu dérais le henna orange, le henna marocain, que tu prennes beha sa'tayn, que tu ghsliha ghir bel ma, uniquement de l'eau, pas de shampoing, surtout pas. Et là, bien sûr, ala sha'r nqi. Donc, le premier temps, ala sha'r nqi. Ensuite, il faut laver juste avec de l'eau. Et ensuite, appliquer l'autre couche de henné, donc le deuxième temps. Et le garder en minimum 3 heures. Pour que ce soit vraiment bien camouflé, c'est minimum 3 heures jusqu'à une nuit. Pour avoir des cheveux blancs camouflés. Alors, les filles, comment raviver les boucles le surlendemain? Je me retrouve obligée de les laver au bout de deux jours. Les boucles sont pleines de frisottis et sont plates sans volume. Première chose à faire, l'élastique. Alors, première des choses à faire. Comment dormir Beda avec les cheveux? Un oréum? Tuto! Même faut... si Anna, je préfère, mais chez Hado, il y a qu'à des gens qui Anna, je dors avec les cheveux en voilà. ananas, comme ça. Comme ça ou... Avec head l'élastique. Donc, je le mets, je dore plusieurs fois. Je le mets, de toute manière, quand il y a du volume, je le mets de mzien. Ou l'abda qui t'tlaq, ça coûte que dalle, donc tu le jettes et tu en reprends un autre. Donc de dormir avec les cheveux comme ça en ananas. Donc qu'est-ce que je fais? Quand je suis en train de me faire, je vais me faire un peu de temps. Donc quand je suis en train de me faire, Sinon, le bonnet en soie. Donc tu vois que derrière l'ananas, impossible كاع الا شعرك بحال هكا قصير بحالي ما بلاش ما ديري هذا لا ما ديري كاع ديري الا كان شعرك قصير tu mets directement le bonnet en soie et ensuite bon moi par exemple je suis obligée حيت j'ai pas autant de volume que Soukaina ou شعري ما غيشدش donc oui ou شعري en plus طويل donc ما غاديش يشد ليا donc je suis obligée de mettre l'ananas avec un élastique comme ça en plastique
c'est ce les élastiques torsadés et ensuite le bonnet en soie. D'ailleurs on en parle, hein. Alors je pense lancer des bonnets en soie. C'est encore qu'une idée qui est en train d'émerger. Donc si vous êtes chaude pour des bonnets en soie, j'aimerais bien avoir votre feedback avant de proposer un prix. Donc voilà, un bonnet en soie comme ça. Alors moi je vais proposer quand même des choses un peu plus funny, des avec couleurs, voilà, des petites couleurs, des petits trucs sympas. Donc tu peux voilà. Même faire avec le logo. Oui, bien sûr, avec mon logo, Inch'Allah. voilà, donc si vous êtes chaudes les filles pour des bonnets en soie, faites-le moi savoir. Comme ça, j'organiserai peut-être un post ou une story par rapport à ça pour recevoir vos feedbacks, vos propositions. Je suis vraiment ouverte à toute proposition. Si vous avez des photos, si vous en avez, si vous avez des modèles que vous utilisez déjà, dont vous êtes fan et que vous ne retrouvez pas au Maroc et que vous aimeriez bien retrouver, etc., vous m'envoyez tout soit par WhatsApp si vous avez mon numéro de téléphone, soit par message, soit Instagram. Ouais. Tous les moyens sont bons pour communiquer. Coucou Sophia. Tes produits sont top pour coudrier aussi, ma belle. Oh, merci, ouais. Sana. J'ai déjà envoyé une photo de mes cheveux à Soukaina. Waach kon aqal lik daba wala chhal hadi wala ghadan wala fikrini sibt liya message wala shi haja bach nchouf la photo hit ma aqalch. Alors hello, j'ai essayé tes produits, c'est top. Le shampoing leave-in pour le gel de linge, je trouve que c'est un peu trop parfumé. C'est un peu trop parfumé, franchement il n'y a pas plus de pourcentage de parfum que dans les autres produits. Donc Rerimkel, comme il est plus fluide et comme il y a moins d'huile, les huiles ont mal étiré ou à peine dit que la petite odeur trache. Donc c'est possible qu'on rire parce qu'il y a moins d'huile dedans. Est-ce que les tresses restent le meilleur moyen de boucler lors de la transition? Anna, mais là ça marche pas du tout les tresses. Anna, pour moi ça marche très bien. Est-ce que dire donc les deux hackers? Anna, ça marche pas. Anna, ça marche pas. J'ai les cheveux très très fins. Donc chez Oukel, il y a par exemple, il y a deux jours, j'étais le même. Je me suis dit, j'ai pas envie de les boucler, je suis tranquille, je sors pas, je vais voir personne. Je me suis dit, je vais faire une tresse. Donc j'ai fait une tresse, j'ai gardé deux jours. Mnenhlita, c'est simple. J'avais une tignasse comme ça. Donc aucune boucle, j'avais des ondulations. Mais en tout cas moi mes cheveux fins, les tresses ça va pas. Par contre je pense que la qualité de cheveux de Soukaina, parce que déjà elle a les cheveux plus épais, donc je pense que ça marcherait, ouais. Mais sur certains types de cheveux ça marche pas, donc après ça dépend du type de cheveux que tu as. Le plus important, va couler ouais, dis chauffe chenou chenou jamais. Oh, après j'ai vu plein de vidéos pour aussi les pailles. Bon après c'est pas écologique, mais même soit vous achetez les pailles ou l'aluminium. Ouais. Mais des choses que vous allez réutiliser, ça veut dire l'aluminium il a stimulé, tu vas le garder de côté, tu as une charge de chaque boucle, ouais. Tu la mets autour, là tu mets un bonnet, tu dors avec. Mm-hmm. Bon en tout cas il y a plein de manières de faire, mais hello on oui, mais la chaleur masque. Ouais. C'est le plus important en fait. Pas de diffuseur, j'ai diffuseur, pas de. Rouna. Alors attendez. C'est n'importe quoi. Ça, il y a dit. Non. Mazel. Est-ce que je peux couper une des. Alors, voilà, c'est. Voilà, est-ce que les tresses. Malanie, on a parlé. Où est-ce que je peux couper une des vacuettes à casa, une adresse? Oui, alors il y a une Siham. Alors écris-moi, Rita, un MP. Si tu es encore là, je t'envoie les coordonnées de Siham. Je ne me souviens plus du nom de sa page. Siham Devacut. Non. Naturally by Siham. Ah oui, Naturally by Siham. Oui. Elle a déjà sifté. Oui, Naturally Siham. Oui, Naturally Siham. Elle a déjà sifté pas mal de filles. Oui. Franchement, en tout cas, elle a de. Enfin, les photos avant-après, c'est super sympa. En plus, c'est une gentille fille. Donc, elle fait à domicile. One more thing, est-ce que tu penses mettre des compos, des produits sur les étiquettes? Bon courage. Sincèrement, c'est déjà beaucoup de travail.
Je ne pense pas pour l'instant mettre les compos sur les produits. Les compos, je les donne déjà, ils sont sur le catalogue. Donc, Aywahd, il peut consulter la composition sur le catalogue. Et si la composition lui va, il va passer commande après. Donc, c'est pas comme si il ne savait pas de Zama, les produits, les kainin, la compo, les kainaf, les produits. Wesh, le henné, katban, la couleur dès la première utilisation. Ouais, ça dépend. Anna, j'étais blonde avant de faire le henna, j'avais fait le henna rouge. Donc vraiment, ça dépend de la couleur li عندك. Si tu as les cheveux très foncés, tradban, atban, ça c'est sûr que atban. Raybanou des reflets et au soleil. Peut-être pas à l'ombre, mais sur le long terme, oui, atban. Coucou Znouba. Alors. Comment avoir le bonnet en soie, ça fait longtemps que je cherche. Bah, je vais bientôt le commercialiser, donc j'attends vos retours. Je vais peut-être faire un petit sondage en story pour voir le nombre de personnes qui seraient prêtes. Et si j'ai une précommande, peut-être je le ferai en précommande. J'aimerais pas pour l'instant investir. Mm-hmm. Je suis déjà sur beaucoup de projets. J'ai encore des petites choses dont j'aimerais vous parler à la fin du live avec Soukaina. Donc voilà, pour l'instant j'investis sur d'autres choses. Je vais faire un sondage et peut-être la canne en précommande, j'en ferai pour vous. Ouais, exactement. Moi, quand le galolique biguier, c'est le bonnet. Okay. Oui. Est-ce qu'on peut trouver des bonnets en soie à casa? Aucune idée. Aucune idée. S'il te plaît, vends-les. Ok. Alors, Charine, je suis bzaf ou ma. Mgarad. Mgarad. Merci Zoukana, tu peux pas imaginer, je me motive, je t'aime. Je t'aime aussi, Oumaima. Est-ce que nous Mgarad ou Neshef? Neshef ou Mgarad? Je pense, c'est ma aide, les cheveux bouclés avec qui sont nous, Neshefin. Dima des masques, Anna qui j'ai mis, Dima les masques, Rasson, mais qu'on nous coule les semaines, j'ai hâte de compter la routine. Aide, masque, j'ai aide, normal, Dima dit des masques. Le masque, il nous fait des ingrédients pour l'hydratation, qui m'a dit Cynthia. Justement, il y a des ingrédients qui sont les beurre de karité, beurre de mangue. Oui. À part ça, pour l'hydratation, on va rajouter les ingrédients ou on va rajouter les masques là. Chaque semaine. Il vaut mieux alterner entre un masque hydratant et un masque nourrissant. Mm-hmm. Hello, Afa, comment puis-je me débarrasser des frisottis? Gel de lin. Sana, tu t'éteins les cheveux. Alors oui, le henna. C'est le henna pour camoufler les cheveux blancs. Donc, à la base, j'ai des photos sur mon Insta où j'étais blonde. Parce que Kinskander, un masque à la camomille, miel, huile de coco et citron. Kinskandero, une fois par mois. Blonde, vraiment chéba. Kinskandbetbe quasiment, ou la même brèche de Betbe, Kinskandero Sbah, le matin. Il y a la recette sur, bon, pour celles qui sont blondes, chimiquement, qui veulent rester blondes sur les mèches, il y a possibilité d'utiliser le masque Heda. Maintenant, malheureusement, j'ai dû passer au henné pour camoufler les cheveux blancs. Mais quand même qui va se dire ben je n'ai pas les blondes, je les est-ce que je laisse mes cheveux blancs? En tout cas, je sais pas, je vais réfléchir à la manière dont je vais procéder. Pour les frisottis, c'est normal et rassuk hydraté bien. Oui, les lavettes. T'es calme, khdab, ça veut dire les choses qui le fouta. إلا ما كانتش فوطه ديك الميكروفيبر راه سي نورمال هذيك حرشه كديري ليها بحال هكا والحاجه الثانيه الحاجه اللي كنت باغا نهضر عليها ديجا عندي في لو كونط الا زيتي فوطه بغيتي تنشفي بها هذيك راه سي غير اللي كتبقاي تديري ليها بحال هكا اللي كيبقاو يديروا بحال هكا راه كيتقرد سي تري موفي فوالا يفو يتنشف حيت الا درتي ليها هكا راه هو بيطلعوا دوك لي فريزوتي وبيبقى داكشي مشنتف عادي دونك الفوطه تبدل البوني ديال ساتان في النعاس وشنو اخر سيرفيت ان ميكروفيبر الو ميكروفيبر ولا تيشيرت نقول لك تيقضي الغرض مي le t-shirt est en coton, ça veut dire qu'il va aussi beaucoup absorber l'eau des cheveux. Le microfibre n'absorbe pas l'eau des cheveux. Qu'est-ce que tu
alors c'est les serviettes en microfibre ma kanin hadouk li kitbaou f Decathlon li kidaro bhal haka kadhabt chara katlouy fih etc. sinon les kanin li kayajbouni ana huma dial jfaf دوك اللي كيكونوا 4 كولور في كارفور ولا غاشي داك الناس تما ما خداش وحدين ديال الكوزينه هادوك ديال الكوزينه الوغ هادوك لي سيرفييت يكونوا 4 ولا 5 في لو باك بشي 32 درهم لا مازال عاقله باسكو يقسم ما كندوز مرجعه للكارفور داك لو ريون كناخذهم هما اللي كيتستعملوا في الكوزينه بوغ الغبره سي دي سيرفييت اون ميكروفيبر elles absorbent super bien دوك لو surplus d'eau اللي تيكون في الشعر Et en plus de ça, tu réduis l'hydratation, tu réduis la nutrition, tu réduis vraiment les cheveux. Ou les frises aussi. Ou les frises aussi, tu les brouches. Voilà. Sana, tu es la meilleure, ma chérie. Je te souhaite tout le succès du monde. Oh, merci. Merci beaucoup, Rita. Pouvez-vous nous expliquer plus Non, Khas Ndiro, exactement lors de la transition. Utiliser des produits naturels. تفعلينا شي دوم ويمنينا كنبانو الحقيقة ديالنا راهي هادي باور بانك ما بقاش فيه لا لا شارج الوغ عرفتي شنو خصنا نديرو ديجا سخن في راسك صافي الوغ ما بقاش الوغ ما بقاش شنو خصنا نديرو خصنا نديرو يفو كونيكتي هادي مع خصنا نمشيو حدا الوغ شونجي دو بلاس غادي نديرو في هذا سينو الا كنا كنبانو الا كنا كنبانو مزيان سي بون حيت سينو غيضيع لينا الوقت وغيمشي لينا لو لايف ثاني اون اور است كو فو بوفي ريبوندر وي خصنا نهبطو عاوتاني واخا غير بون جو بونس اون فا ريستي كوم سا اون فا ريستي كوم سا فو فو نو اكسبليكي شوفي لا ترانزيسيون انا عندي دو فيديو على لا ترانزيسيون دو ا ا زد شوفي غير لي اي جي تي في ديالي Bonsoir, bonsoir. J'avais oublié, t'es sur le catalogue, thanks. Elle parle des ingrédients. La composition. Khlen, soukaina, la katate. Oui, voilà, choukran. Katia ounouna. Khadija, coucou. How to cool. J'ai un problème, mais je suis en transition depuis. En bas, j'ai trouvé les boucles, mais en haut. C'est normal. Qui est plus... ouais, c'est une catastrophe. C'est normal. C'est normal. Il va falloir les définir. Parce qu'il dit que la méthode, j'ai le finger coil. هي اللي غتعاونك راه كاينين لي ميثود وي كاينين بلان دو ميثود سي فو بلي لي سوجيستيون بور لي شامبو ناتوريل سور سوبر مارشي سي سي بوسيبل انا جان كوني با صراحه ناتوريل في سوبر مارشي ما كاينش صراحه ما كاينش سوبر مارشي ما كاينش ما كاينش كاين غير لوريال غارني داكشي اللي كيتباع با ال سيف ما كاينش شي حاجه ناتوريل alors je suis intéressée par le bonnet aussi ça marche Sinon, j'adore Moment's Corner. J'adore ces produits. Et Sana, le Leave-In is in my favorite. Les poudres et le henné, j'adore. Bsha Ferdows. Je t'envoie plein de bisous. Est-ce que les hennés sont 100% 100% naturel, oui. Oui. Merci beaucoup. Des astuces après coloration. Des astuces après coloration en mèche. Les masques, beaucoup de masques. Alors, est-ce que vous avez des produits pour hommes? Oui, il y a le. En fait, tous les produits peuvent être utilisés par les hommes. Le shampoing pour les hommes qui ont les cheveux bouclés, ben ou pas, hein, parce que il y a plein d'hommes qui piquent les produits de leurs femmes. Qui viennent me dire ah, mon mari il arrête pas de me piquer les produits donc le leave-in marche parfaitement pour coiffer les hommes le gel de lin pour fixer les cheveux pour les hommes le gel douche pour les hommes après je viens de créer un 2 en 1 qui est pas encore sur le catalogue le 2 en 1 pour hommes cheveux et corps sinon j'ai une huile pour barbe qui est pas encore sur le catalogue une cire barbe et cheveux 2 en 1 qui n'est pas encore sur le catalogue. Il faut juste que je mette, à jour mon catalogue. Mais oui, en fait, tous les produits peuvent être utilisés par les hommes. Je connais quelqu'un qui adore mon gommage, qui l'applique chaque semaine. C'est un homme. Tu es goulier, oui, le Walid a dit ça. Oui, je suis bien libre. Lara me fait que je suis libre. Pourquoi vous n'ouvrez pas un salon spécialisé pour les cheveux bouclés? Peut-être, un jour. Elle est là. Alors, est-ce que je peux utiliser les sachets d'infusion camomille qui se vendent en grande surface? Oui, Karima, c'est possible. C'est vrai que le blond t'allait à merveille. Merci beaucoup, j'espère le retrouver, mais je dois accepter mes cheveux blancs. Tu fais le henné en deux temps. Ma kandish le henné en deux temps, hitesh ma'ndish les cheveux k'tar. Andi les cheveux blancs, mais meshi k'tar au point de dire le deux temps.
Donc, quand je directement, les cheveux blancs, c'est un petit peu plus clair que le reste, mais ça ne me dérange pas. Je suis à mon 10e mois de transition, j'ai hâte de couper la partie lisse. Vraiment, ce n'est pas facile de garder la texture. J'ai encouragé moi les filles, coupe-toi les cheveux. Je suis passée des cheveux à la taille ici et ça fait un bien fou. Sarah. Oui, tu es magnifique, ma belle. Merci. Bon, toutes les deux. Hein, toutes les deux. elle a le bonnet. Ouais. On voit que ça n'a Alors, adepte décoloration végétale depuis des années, j'applique l'indigo en deuxième temps sur les cheveux blancs, sur les cheveux, sur des cheveux noirs. Oui. Alors, il faut faire le deux temps. J'applique l'indigo en deuxième temps sur des cheveux blancs. Sur des cheveux noirs. J'ai pas bien compris la question, mais effectivement, il faut faire le deux temps pour que les cheveux blancs deviennent orange. Aide pour appliquer l'indigo par la suite. Maker Liz, vous êtes canon. Merci. Merci. Coucou Leïla, je viens de recevoir l'appel du livreur pour ta commande. Njibo. Psa. Tu es magnifique. Merci Leïla. Thank you so much for sharing. Thank you. Bisouette. Envie de changer de couleur sans abîmer mes cheveux, comment faire? Henna. Pas d'autre solution. Est-ce que vos produits sont adaptés pour les enfants? Oui, oui. C'est écrit sur le catalogue et c'est pour les enfants à partir de 1 an. Merci. Les supportrices. Bon, je pense qu'il commence à y avoir de moins en moins de personnes. Bon, c'est dommage, je voulais vraiment. Je crois qu'il fallait faire les annonces au tout début. Mais bon, c'est une ouverture. Moi, ça a fait. Alors, je m'assume avec les cheveux trop courts. J'ai déjà essayé. J'ai le lissage, donc j'attends. On m'a rasqué, je t'ai le lissage. Il ne faut pas t'enjeu le lissage. Donc, que les rembradines. Oui, alors franchement, c'est dommage. Il n'y a que 38 personnes connectées. Tout à l'heure, on était à plus de 70. On commence par Hadou et ensuite on va. Alors, déjà, je vais voir la batterie de mon téléphone. Ça va. Annulé. Ok. On est encore là. Alors, je voulais faire une annonce. Donc déjà pour le bonnet, je vais refaire un post en story. Sinon, ma petite surprise sur laquelle j'ai travaillé depuis ces 3 derniers jours, c'est des petites pochettes comme ça. LS Cosmetics, d'accord, qui sont en lin. Elles sont pas personnalisées, mais elles sont uniques en fait. J'ai fait des modèles uniques. Donc, si jamais vous achetez une trousse et que vous rencontrez une autre curly qui achète ses produits de chez moi, vous n'aurez pas les mêmes trousses. Donc là, j'ai fait plusieurs modèles. Il y a du rouge, il y a du jaune, il y a un kaki par ici. Il y a du bleu et encore plein d'autres couleurs qui arrivent. Et ce qui est hyper important, c'est pas tellement la trousse, mais c'est ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc les personnes qui ont vraiment très peur d'acheter mes produits ou là qui hésitent encore, je vais proposer une trousse comme celle-là. Et en fait, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. On ouvre la trousse. Alors, je propose des produits miniature pour le hammam, pour la salle de sport et surtout pour le voyage. Les curly, quand on se lave les cheveux une seule fois par mois, par semaine, quand on se lave les cheveux une seule fois par semaine et quand on voyage même pour 2 semaines ou même si on se les lave 2 fois par semaine, les contenants que j'ai faits sont pratiques et permettent en fait d'utiliser le produit Blême et Trada en voyage. Donc l'après-shampoing par exemple, c'est l'après-shampoing, c'est un format 50 ml, d'accord, et il fait 6 utilisations. Pour moi qui ai les cheveux longs, d'accord, il fait 6 utilisations. Donc 6 utilisations, ça fait à peu près 3 semaines de voyage. Donc j'ai utilisé le bar, avant-hier. Donc j'ai utilisé un petit peu Mno, voilà, avec la spatule. Je pense. Voilà.
Donc, pour certaines, elles ont reçu des spatules avec leurs produits. Pour d'autres, non. Parce que j'étais en rupture. Là, je vais refaire un très, 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 très gros stock de spatules que je vais vous envoyer à chaque fois que vous allez passer commande pour éviter de mettre les doigts dans les produits. Donc, dans cette trousse-là, il va y avoir l'après-shampoing qui est là. Il va y avoir le shampoing. Alors, le shampoing, il n'est plus rose. J'ai décidé d'enlever le colorant. Je me suis dit, bon, c'est quelque chose qui est vraiment pas important, même si c'est un colorant naturel. Je me suis dit que, voilà, autant garder le produit le plus naturel possible. Donc, celles qui se reçoivent un shampoing blanc et non pas rose, si vous vous posez la question de pourquoi, voilà, la raison, c'est que j'ai enlevé le colorant. Donc, voilà, regardez. Ça, c'est un 100 ml. Et ça, ce qu'il y a là, c'est j'ai utilisé deux couches de shampoing pour me laver les cheveux. Et regardez ce que j'ai utilisé. Donc, vraiment, le 100 ml, minimum un mois, facilement. Donc, il y a le shampoing dedans. Il y a le leave-in. Tiens, ouaf, le même format, 50 ml. Donc, le leave-in qui est là. Voilà, bon après ça dépend de la quantité, c'est vrai que le leave-in on a tendance à l'utiliser plus que Hada, mais le leave-in il dit minimum 4 utilisations. Mm-hmm. Voilà. Ensuite il va y avoir dedans un gel de lin, donc le gel de lin qui est là. Sriwar. Cute, oui. Et cute, j'avoue ça, voilà. C'est vrai. Cute. Et le gel de lin avec le bouton pression, d'accord, pss, pss, pss. Pour pouvoir en récupérer sans trop en mettre partout. Il va aussi y avoir dedans l'huile nourrissante qui est pailletée. Regardez, regardez-moi ces paillettes. C'est dommage, il n'y a plus la lumière. Mais Hedi, après la douche, c'est vraiment le produit miracle pour ma peau. J'ai jamais eu une peau aussi douce et bien parfumée depuis Hedloul, l'huile nourrissante. Elle s'utilise sur peau humide après la douche. Donc, on n'utilise pas la serviette. On garde les gouttelettes d'eau sur son corps et on va masser. On va bien masser. Et pour bien faire pénétrer l'huile, ensuite avec la serviette, on va juste tapoter. Et enfin, le dernier produit qu'il va y avoir dans la trousse, c'est le gel douche. Voilà. Donc c'est une trousse, je vais essayer, j'ai pas encore travaillé sur les prix, mais je vais faire en sorte que et la trousse et les produits dedans ne dépassent pas les 310 dirhams. Après c'est une trousse, comme je vous ai dit, on peut l'utiliser évidemment pour le voyage, pour trousse de maquillage dans son sac, elle est vraiment trop trop cute, les couleurs, je vous ai dit, voilà, je vous remonte pour celle qui vient d'arriver, donc j'ai plusieurs couleurs. Il y en a d'autres qui sont en train d'être montées en ce moment même. Donc elles sont vraiment pas grandes. Vous voyez, c'est des petites trousses qui prennent vraiment tout le produit. Vous avez même de la place dedans pour mettre un petit déo dedans. Voilà, c'est vraiment la petite trousse qu'on peut mettre. Maquillage, voyage, voilà. Pour la plage aussi. Ouais. Voilà, on peut les utiliser partout. Sinon et même عندك les pour comme minute qu'elle comme tu peux oui, oui évidemment évidemment le but de head la petite trousse le but de head la petite trousse c'est que vous n'achetiez pas à chaque fois cette trousse. Le but c'est que vous n'achetiez pas à chaque fois ces trousses avec les produits, parce que head les miniatures je ne les vendrai qu'avec la trousse, je ne les vendrai pas tout seul. Donc ce qui est important, c'est de garder les petits flacons. Ça veut dire que si vous êtes vraiment des clientes, vous avez l'habitude d'acheter de chez moi, ou même si vous achetez ailleurs, peu importe, le petit pot. Une fois qu'il va être terminé, vous le lavez, vous mettez de l'alcool pour le désinfecter. Attention, pas d'eau chaude, pas d'eau bouillante, sinon il va se déformer. Donc vous le remplissez en fait avec une spatule ou avec une cuillère et vous remplacez des grands pots que vous achetez de chez moi. Donc pareil pour le shampoing, l'après-shampoing, l'huile de douche, et des petits flacons, vous les gardez. Attention juste par contre pour aider l'effet de l'huile, si vous lavez avec de l'eau, elle détresse la bouteille. Et si vous mettez de l'eau chaude, elle sera complètement déformée. Donc vous allez reverser de l'huile dedans sans laver.
D'accord ? Parce que c'est que de l'huile. Sur les autres produits, comme le gel douche, le shampoing, vous allez mettre de l'eau, vous allez bien laver. Vous mettez dedans quelques gouttes d'alcool, vous faites revenir l'alcool dans la bouteille et vous les gardez à chaque fois que vous partez en voyage, que vous allez à la salle de sport, que vous voulez aller à votre hammam. Parce qu'il y a plein de clientes qui me disent, est-ce qu'on peut emmener tes produits le hammam ? Sincèrement, je dis non. Si vous les faites rentrer avec vous, la salle de vapeur, etc., il est déconseillé, c'est des produits naturels. La chaleur, le produit, surtout les produits gel douche, shampoing qui sont faits à base de lait d'avoine, même s'il y a un conservateur dedans, ne prenez pas ce risque-là d'abîmer vos produits. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite surprise de fin. Sinon... qu'est-ce qu'on voulait aborder? On a tout abordé? Oui, je pense. On a tout abordé. Est-ce que vous avez des questions? Qui c'est qui a des questions? Wesh, le live. Le Livin. Ah, le Livin. Le Livin, Mohim, la transition. انا فاش كنت صراحه في لا ترانزيسيون ما كنتش كندير لا ليفيل لا والو مي بون كيعاون بزاف كيعاون فريمون بزاف حيت سي سكي فا بيرميتر دو ديفينير لي بوكل الا كان شعرك ما كيتبوكلاش وكيتشنتف يا كو لو ليفين غادي يقدر يعتقو باش يتبوكل وكيخليه مهدن شويه alors vaut mieux garder les produits au frais non pas besoin de les garder au frais non par contre on les met pas au soleil on les garde pas au soleil. J'allais te poser la question, il y a le conservateur des produits, la conservation des produits. Non, les produits, voilà. On n'a pas besoin de les mettre, au réfrigérateur, ni... non, c'est pas du tout la peine. Pour enregistrer le live, s'il vous plaît. Oui, bien on sûr. Va l'enregistrer, vous inquiétez pas. C'est bien dommage. C'est bien dommage, c'est le deuxième live en plus, le premier déjà de là. Est-ce que la fragrance Oud a remplacé les fragrances qui existent? Ou est-ce qu'on peut choisir? Non, on peut choisir. Il faut juste que je mette, il faut que je trouve le temps. Il faut que je trouve le temps de mettre à jour mon catalogue. Parce que là, je suis en train de préparer mon site en même temps. Donc, vous allez bientôt pouvoir passer directement commande sur le site. Sinon, j'existe déjà sur Jumia. J'ai créé une petite boutique Jumia. Vous pouvez passer commande dessus. Candle bicarbonate avec du shampoing solide. Ça marche pas. Il faut mélanger du bicarbonate avec quelque chose de liquide. Ça marchera pas avec un shampoing solide. Shame, ça va. Ma question, quelles sont les choses à faire, à ne pas faire pour avoir de jolies boucles? À ne pas faire. Pas de lisseur. Ouais, pas de chaleur. Je pense que c'est les choses les plus importantes à faire, c'est beaucoup de masques, hydrater, nourrir, couper les cheveux morts, enfin tous les cheveux sont morts, mais couper ce qui est ultra mort, genre ce qui est vraiment abîmé, vaut mieux le couper. Alors, est-ce que le leave-in après le gel de lin ou avant? Moi, je mets d'abord leave-in, ensuite gel de lin. Leave-in, le gel. Ouais, gel de lin à la fin. La durée de vie de vos produits, elle est... Est-elle justifiée? Alors, la durée de vie de mes produits, comme je l'ai dit sur le catalogue, c'est le minimum. C'est-à-dire que, Anna, j'ai fait des tests avant de me lancer. Et ça, je le dis, mais avec... je prends des pincettes pour le dire, mais je suis de à guilty. Attention, si on utilise des spatules, donc je vais ressortir la spatule. Si on utilise des spatules en bois, en plastique, en une cuillère, peu importe, il ne faut pas mettre les doigts dans les produits. Ça dépend de la main de couche, la main de couche fait un autre produit, etc. Donc si je mets. Oui, le main. Surtout, c'est l'eau qui développe les bactéries. Je voudrais que les touches quand je me fais le main, qui va se faire. D'accord? Tu es calme, tu mets les namous, etc. Donc le main, tu ressors les produits. Donc, un a le temps, l'idéal, les produits, c'est le minimum. D'accord? Après, moi, j'ai fait des tests où j'ai gardé mes produits plus de 6 mois. Bien sûr, une température, mais qu'on ne chemche, où je n'ai pas mis les doigts dedans, etc. Brakouliach, 6 mois quand je faisais mes tests. Enfin, brakouliach, 6 mois, ça veut dire que
ماشي او بو دو 6 mois خسرو مي او بو دو 6 mois je les ai consommés pour voir si la texture n'a pas changé etc. mais je suis sûre que ils pourraient rester plus longtemps. J'ai des clientes, elle m'a dit j'ai acheté tes produits l'année dernière baqin indi. Donc il ma kanch dira sba3 fihom etc. ils peuvent rester longtemps tant qu'il y a pas de changement d'odeur et de texture. Normalement le produit est pramzien. Donc Anna, je mets le produit le temps minimum, ça veut dire en prenant le risque que la cliente mette le doigt mouillé dedans. Alors normalement ça soit bra 2 à 3 mois. Donc en fonction des produits. Est-ce qu'il faut arrêter à 100% le lissage des cheveux? Oui, surtout oui, il faut arrêter à 2000%. Il faut arrêter à la transition d'arori tihidi à 100%. Mais après il a bghiti tihidi sawbi charak, c'est pas grave, mais une fois dans l'an. Alors une solution pour les pellicules qui m'a dit la poudre ديال السدر. جاوبنا عليها, vous allez, tu vas trouver les réponses déjà fait. Ça y est, il y a plus de questions. Qu'est-ce que j'ai mis? Un commentaire. Kharbaqt. J'ai mis n'importe quoi. Ah. Merci. Anna Fnusna. Ok. Andy Charles. No? No bouclé? Et no lisse. Ah, c'est non, no bouclé. Ah, ni bouclé. Ni bouclé, ni lisse. À cause de la kératine, l'akbar. Chno bhal, men. Mais qui est-ce? باش نجيك نيت زعما ما كاينش حل اباغ تصبري عليه واش بديتي تعطيه زعما الوقت تبدلي ليه الشامبوان والكونديشنر وداكشي كامل وتعطيه الوقت وغتسنيه يطول غتسنيه يطول وتقطعي حيت هذاكشي اللي ليس بلا كيراتين راه امبوسيبل يرجع بوكلي راه ما يمكنش ياك بدا وي امبوسيبل خاصو ضروري تقطع اون فوا كي تقطع ترجع هذاك الشعر الحقيقي اللي هو عندك. Donc je répète pour Smitha Z-Star. Alors pour Z-Star, je répète, Anna, je suis passée min la kératine le naturel. J'avais les cheveux qui m'arrivaient à la taille, j'ai fait une coupe carrée. C'était la seule solution pour moi pour passer au naturel. À quelle fréquence utiliser la chantilly? À volonté la chantilly, à volonté. Matin et soir, si la peau elle absorbe beaucoup, tu peux l'appliquer matin et soir. Y a aucun problème. Les fifi, est-ce que vous allez enregistrer le live précédent? Oui, on a enregistré le live précédent. Je vais les poster en Instagram TV. Je peux pas les sécher au frais, surtout en hiver. Ouais, je peux utiliser le séchoir sans tirer, bien sûr. Tu peux utiliser uniquement le diffuseur. On a qu'un goulable français avec un goulable diffuser. Tu peux utiliser uniquement le diffuseur. Si tu utilises le séchoir sans le diffuseur, il va aller dans tous les sens. Tu vas avoir des frisottis. Aucune forme. Aucune forme. Et l'air frais, tu peux dire médium. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il a vraiment. Alors en hiver, il vaut mieux quand même se coiffer les cheveux, se les boucler le soir. L'ihsan. Si tu es vraiment obligé de le faire en journée, tu peux l'utiliser l'air moyen, pas l'air chaud. Votre rouge à lèvres, j'attendais cette question. Alors, il est où? Il est, je vais aller. Ah, il est là. Elle se porte volontaire pour aller le chercher. Mon rouge à lèvres, c'est taradaran. Miniso, je suis partie hier. Sponsor officiel. Je suis partie hier parce que justement Soukaina avait fait une story avec le bonnet en satin et je suis allée voir, mais en fait c'est. C'est du plastique. Je vais aller le chercher, c'est pas du tout du satin. Fak, n'te wit bak. Ah. Bébé djeli klib djeli fi mamchi tkit bani. Alors, elle avait fait un post sur ça, mais msdoud. Anna, je me suis dit, bon, un bonnet en satin, youpi! En plus, 25 dirhams, je me suis dit, c'est vraiment pas cher. Alors, ralat kbir, parce qu'il est en plastique. À l'intérieur, c'est du plastique. Et à l'extérieur, c'est même pas de la vraie soie. C'est vraiment. Dik srona li ralab tibir, vraiment. Srona li ralab. Zned fchar. Surtout fmarrak. Ouais, non. Donc, ça, c'est vraiment un bonnet pour. Pour les masques. Pour bonnet de douche. Bridrlé. Tu veux rentrer, prends ta douche. Mais c'est voilà, srer. Ah, srer. Ouais, il est tout petit. Donc, là, quand le volume ou là, quand char ktir. Regardez, chaud. Ça marche pas. Mais zemmedet char fait vraiment déjà srer.
Donc, d'où ma question pour les bonnets en soi. C'est pour ça que j'avais vu le truc. Donc, comme Soukaina l'avait fait, je me suis dit, je vais aller jeter un œil à Miniso. Et j'ai trouvé Adès Michou, éclat exceptionnel. Et c'est vrai, vraiment zouine. 40 dirhams, je l'ai payé. Tel est lié mon rouge à lèvres rouge. C'est un mat. Donc, voilà. Il ne laisse pas de traces. Oui, de chaud. Depuis, il y a 3 heures à peu près. Intact. Ah, ouais, vraiment chat de mzien. Merci beaucoup, les filles. Alors, merci beaucoup. Vous êtes adorables. À quand des produits make-up naturels? Alors, Maha, sincèrement, pas de sitôt. Pas de sitôt. C'est déjà énormément de travail. J'ai des jours de folie, des semaines de folie. Sincèrement, pour l'instant, c'est loin d'être ma priorité. Peut-être un jour, le jour où j'aurai un atelier en bonnet du forme, etc. Inch'Allah, j'y penserai, mais pas pour le moment. Est-ce que la crème hydratante jour et nuit contient de l'huile de coco? Non. Rakeina, la composition, le catalogue, elle contient de l'huile de jojoba et de l'huile de kartam. Pas d'huile de coco pour le visage, surtout pas, parce qu'elle est comédogène. C'est Lina? Ouais. Hein? Non. Alors, je me suis fait avoir avec le bonnet. Bah, on est deux. Moi, je l'ai pris. Bon, la vérité, c'est bien pour prendre une douche. Oui, c'est pour les masques. Ça peut être sympa. Coucou, Selima. Je livre à Rabat. Oui, je livre sur tout le Maroc. Tous les mercredis, je fais les livraisons, que ce soit Casa, Marrakech, Rabat, Tanger, toutes les villes du Maroc. Toutes les livraisons se font le mercredi. Donc, c'est pour ça qu'il faut, il faut passer commande avant... Avant le dimanche. Avant le dimanche, après, je dis les livreurs, quand c'est les commandes. Combien la livraison à Mohamedia? C'est 40 dirhams. Alors, normalement, Casa, c'est entre 20 et 30 dirhams en fonction de l'emplacement. Par exemple, Darbouza et Bouskoura, c'est 30 dirhams. Sinon, le reste, c'est 20 dirhams. Et sur toutes les autres villes du Maroc, c'est 40 dirhams. Ah, Maha. elle a pris la relève. C'est quoi comédogène? Alors, ça veut dire que qu'elle a les points noirs. Ça veut dire qu'elle n'est pas bien pour le visage. Mziana, l'huile de coco, mziana pour la peau, du corps, pour les cheveux. Mais il vaudrait mieux ne pas l'utiliser pour le visage. Alors, les filles, je pense que tout le monde, ça fait vraiment... Ça va faire 2 heures qu'on est en live. Mais il reste 15 minutes sur les TikTok, donc on ne refera pas un live après celui-là. C'est bon, yeah. Donc, les filles, avec plaisir. Franchement, ça m'a fait très plaisir de faire ce live avec Soukaina. Alors aujourd'hui, elle m'a coupé les cheveux, elle m'a fait le styling, elle a été aux petits soins avec moi, elle s'est super bien occupée de moi. On a fait des vidéos, etc. On va faire des montages... On va essayer de poster tout ça dans la semaine à venir, Inch'Allah. Que recommandes-tu pour les cernes? Tata. Tata. Apparemment, ça enlève les cernes. C'est très efficace. Donc, tu peux t'amuser même à la faire en forme des yeux, comme ça. Et la laisser quelques heures. Et je pense que c'est efficace. En tout cas, les personnes qui l'ont essayé, Gedek Batata ou Era. Donc, il y a plein d'astuces, les filles. Franchement, vous trouvez toutes les informations que vous voulez sur Google. Après, si vous avez des questions en particulier, moi, en tout cas, me poser sur mes produits, marhaba, j'y répondrai avec plaisir. Sur les masques naturels, je pense que Kaina aussi, elle répond. Tu réponds pas mal, je pense. Elle répond aussi au message Dima. Donc, Tiana, en tout cas, dès que je peux, j'y réponds. S'il te plaît, ma rebrouche. La vérité, c'est que je suis au Maroc, je fais un live. Je viens pas beaucoup parce que vraiment, les kimchi de casa, c'est rebar feha. Mais je vais essayer de venir une fois par mois et on essaiera de vous proposer des choses. Ah oui, la dernière annonce, la collaboration. Ah oui, Edine Sinoma, demain je l'ai comme elle est. Merci Hajar, merci. C'est quoi ton histoire? Je suis là, 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 je
Merci, merci, vous êtes tout. Merci. Oui, ma kasbash mara. C'est... Non, c'est pas oui, le nom. Mais pas d'une salle, ou... C'est Curly Chista. Nick. Ouais. The Curly. Curlista. Curlista. Oui. Yelix bet le nom de la page d'elle. Mais sinon, okay, après, elle aura dit le cas. Son histoire. Hey, y'a, ou voilà, d'aime, m'aime, maha. Merci. Sinon, pour la collaboration, je n'aurais dit dire. Alors, on va vous proposer à toutes les personnes qui n'ont encore jamais commandé chez LS Cosmetics de bénéficier, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine. À partir de lundi. De lundi. Yeah. Lundi prochain, ah, chelon, ouais, le mercredi. Donc, lundi à partir prochain. De lundi prochain, Inch'Allah, vous allez avoir une remise de 10%. Sur toute la gamme LS Cosmetics avec le code promo Soukaina. Soukaina. Soukaina 10. Voilà. Avec Soukaina 10. Soukaina 10. Voilà. Donc Hia va faire l'annonce sur sa page. Donc pour les uniquement les premiers les clientes qui n'ont jamais commandé. Voilà pour vous encourager pour passer à une transition giveaway. Ouais, on peut faire un giveaway. Ouais, on peut faire un giveaway. On peut giveaway faire un giveaway. Ah bah oui, tiens, avec... on va faire un giveaway avec une trousse. Hein, Safi, hein? Ça fait un giveaway. On va faire un giveaway avec la trousse, avec tous les produits miniatures de la trousse. Yeah. Ouais. Et peut-être même un bonnet en satin, on verra. Ouais, on verra. On verra. 20% plaisir. Ouais. Vous êtes clés, hein? Je suis Elia. Non, déjà, franchement, là, 10%, va. C'est déjà pas mal. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on yes, fera intéressée. Un... Oui, déjà, les produits Marali, je suis bizarre, du coup. Ça c'est va, vrai. Alors, la, voilà. Déjà, la gamme, l'Arditi, la petite gamme à 270 dirhams. Tu vois, c'est que l'équivalent presque de 30 dirhams. Ça te fera 240 dirhams. C'est des produits qui durent 2 mois. Donc, 240 dirhams pour 2 mois, sincèrement. Ouais. Je pense que c'est vraiment raisonnable. Tiens, chauffe les vidéos que les cœurs les font en général. Les armoires, ils ont 1 million de produits. C'est pas des produits qui coûtent, c'est des produits oui, qui coûtent cher quand même. C'est ma chaîne des curlies qui investissent, je sais pas, peut-être 300, 400 dirhams, 500 dirhams par mois pour leurs cheveux. Ouais. C'est, je trouve ça énorme, donc c'est pour ça, mais quand même, mes produits, mes prix, je trouve qu'ils sont quand même assez raisonnables. Voilà. Donc je pourrais pas faire plus de 10%, malheureusement. Mais l'essayer, c'est l'adopter, je suis sûre que. Je suis sûre, Inch'Allah, je book. Donc voilà, qui a la remise, yuck, 10%. Ou après le giveaway, il y aura oui, on verra quand est-ce qu'on le fera, on essaiera après. De le faire d'ici 2-3 semaines à peu près. Inch'Allah. Ouais, je fais tout ce que je me fais, voilà. Sauf si d'ici là, si j'ai les bonnets en satin qui sont disponibles, peut-être même ajouter un bonnet en satin. Ouais. Voilà. C'est bien ça. Hein, vous êtes contente ou pas? Montrez un petit peu votre joie. Exprimez votre joie. De toutes les manières, le live rate dans pas très longtemps, mais exprimez votre joie. Non, malheureusement, je fais que de la livraison. Je fais que la livraison, donc il n'y a pas encore de point de vente. Sur Marrakech, il y en a un. C'est Terga, qui est la pharmacie Sidi Do, qui propose quelques-uns de mes produits. Peut-être bientôt sur Rabat. En tout cas, il y a une dame qui m'a fait une proposition. Je vais voir si ça tient ou pas. Mais en tout cas, je fais la livraison une fois par semaine. J'ai comme la livraison, j'ai le darkom, qui est comme le livreur, qui est l'endkom. Donc, sincèrement, alors la livraison entre 20 et 40 dirhams en fonction de la ville, en fonction de l'emplacement à Casa, etc. C'est entre 20 et 30 dirhams. Je fais la livraison comme je vous l'ai dit je fais les livraisons tous les mercredis, donc sincèrement vous risquez pas d'être en rupture en une semaine, donc je pense que c'est raisonnable une fois par semaine la livraison. Pourrais-je alors faire une précommande de bonnet? Oui, alors je vais lancer un petit sondage sur la story, comme ça je vois les personnes qui sont intéressées, comme ça je lance très rapidement la production de les bonnets. Déjà c'est une chauffe le prix, voir si ça convient à tout le monde. Donc quand je vais faire la story, je vais proposer le produit avec le prix, comme ça si ça convient aux gens, je lance Inch'Allah la production. Oui, ça serait bien qu'elle soit sur Rabat. Inch'Allah. Oui, ben, Inch'Allah. Mais sinon, je vous dis, moi, je fais les livraisons toutes les semaines à domicile. Donc, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Voilà.
Donc, Ouais, on a tout dit. En tout cas, merci vraiment pour... Alors, tout hors Casa, c'est 40 dirhams. Hors Casa, c'est tout le Maroc, c'est 40 dirhams. Casablanca, étant donné que je suis sur Casablanca, la livraison est entre 20 et 30 dirhams. Voilà. Donc, on vous embrasse. Merci beaucoup pour celles qui ont tenu du début jusqu'à la fin. Ça fait quand même presque deux heures. Alors, les bonnets sont utiles pourquoi ? Pour garder l'hydratation des cheveux, c'est pour dormir. Le bonnet, il est là. Donc, c'est un bonnet en satin. Une queue de cheval haute. Ensuite, tu l'appliques, tu le mets. Comme ça. Et tu dors comme un chef cuistot. Voilà. Pour dormir. Voilà, c'est vraiment pour dormir. Voilà, pour pas abîmer les cheveux. Il tâche le satin vraiment. Mais tu riches avec les cheveux électriques. Le coton, tu dis le mkhda qui chrabe. T'as les frisottis. Voilà, mais tu proches les frisottis, etc. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Merci de votre présence. Et j'espère à très, 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 très bientôt. Merci à Soukaina qui m'a fait le plaisir de venir. voilà, je. Vous fais bisous. plein de bisous et je suis disponible pour vous répondre en MP voilà. Donc inchallah I'm here. Bye. À très bientôt. Bye. Attends. Terminé, ça fait ce mot.